On est reparti sur Final Fantasy VII Rebirth YouTube et on va continuer. Donc là, on est toujours avec Bugan Again et on va entrer dans une. On va passer cette porte scellée et ça va être intéressant. On va passer l'épreuve pour Nanaki avec lui. Suivez-moi. Nous allons descendre tout au fond de cette caverne. Dites-moi, est-ce que Nanaki vous a déjà parlé de ses parents? Non. C'était des protecteurs. À vrai dire, ils étaient très différents l'un de l'autre. En fait, lorsque le canyon a été attaqué par des ennemis, ma mère les a affrontés courageusement. Et elle nous a défendus au prix de sa vie. Par contre, mon père, lui, il s'est enfui. Il nous a lâchement abandonnés. Je vois. Tu n'as toujours pas pardonné assez tôt. Bien sûr que non. Début de l'épreuve. Seules deux personnes peuvent poursuivre cette route. Celle qui tente de relever l'épreuve, et celle qui lui sert de témoin. Qui va venir avec moi? Je t'accompagne. Oh, oh, oh. Si c'est toi qui y vas, cette épreuve n'apportera rien à Nanaki. Voyons, voyons. Ça va être Tifa. Un parfait témoin. Hein? Hein? Oui, c'est logique. Besoin de faire cette gueule. Le lien entre Barrett et Nanaki. Bon, d'accord. Il est tellement trop bien leur lien. Alors, du coup, regardons voir juste au niveau. Je crois que tu, ouais. On va mettre ça, de toute façon après le reste, ouais, PM. Ouais. Hop. Par contre, ça c'est chiant. Ah putain, attends, mais... Ouais, j'en ai déjà pris, ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on a comme matériel, là? Sans altération. Ok, rien de nouveau au niveau des matériaux. Allez, let's go, on est parti. T'as intérêt à bien me regarder. Ouais, je vais pas te lâcher des yeux. Ouais, alors excusez-moi, je regarde juste ce que j'ai mis sur Nanaki. Vent, foudre, feu. Vous savez quoi? On va piquer ça. Et on va mettre... Attends, on n'a pas maxé feu? Oh, oh, oh.
c'est ? La marque de ceux qui sont piégés dans les profondeurs de la vallée. D'escalader ses parois. Donc, parce que de pouvoir grimper et courir sur le long de certains murs. Ok, d'accord. Les belles statues là. Et hop. Cet endroit donne la chair de poule. Je comprends ta réaction. Une violente bataille a eu lieu ici. 45 ans se sont écoulés depuis, mais les marques en sont encore bien visibles. Mais alors, les Guy auraient réussi à pénétrer jusqu'ici? Oh, oh, oh. De quoi? Je voudrais bien qu'on m'explique ce que vous appelez les Guy, là. Il s'agit du nom d'un peuple dont l'existence n'est connue que des habitants de notre vallée. Ils lui ont mis une voix trop aiguë à part Nanaki en fait. C'est ça qui est bizarre. Hein. Ils auraient dû lui mettre une voix un peu plus animale. Voyons voir. Ah, qu'est-ce que j'aimerais être aussi agile. Hé, hey, et où est-ce que c'est débarré? Celui d'Advent Children, il était bien. Je regarde ce que j'ai. Je sais pas ce que je fais, une défense physique ou une défense magique. Oh, on va lui mettre ça, c'est pas mal. Et qu'est-ce qu'on a comme. Tiens, j'avais ça. Ouah, wow, j'en profite, hein, les gars. Vite fait. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre renforcement défensif, il l'a déjà. PC augmenté. Attendez. Ça c'est déjà maxé ça du coup. On va le mettre un peu là. Allez, on est parti. Bon, je fouille, hein, je fais attention à tout. J'essaye.
alors, voyons voir. On va monter là. Qu'est-ce que j'aimerais être aussi agile. Tu l'as déjà dit, Barrett. Tu deviens un peu gâteux. Alors. Ok. C'est une porte, ça. La porte devrait s'ouvrir et couper la corde. Ok, d'accord. Donc, il y a un truc à couper. Corde qui se trouve où? Merde, fallait maintenant. J'ai l'impression d'entendre Simba, c'est vrai. Nomura adore le Roi Lion. Je crois que c'est un de ses Disney préférés d'ailleurs. Armille céleste. Je crois que j'en avais déjà, je suis pas sûr. Ouais, ça augmente un peu. Ma défense. Par contre, c'est full matériel. C'est full matériel. Qu'est-ce que je peux lui foutre? Affinité élémentaire. Ouais, mais non, je peux pas mettre de matériel bleu dessus. Par contre, j'en ai chopé quelques-unes là maintenant des matériels bleus là. Oh, on peut lui mettre prière même si c'est avantage choc. Mettre garde renforcé. On va maxer notre Nanaki. Chance augmentée. On va lui mettre esprit. Allez, let's go. C'est pas parfait, mais... Hey, laissez mes cartes, mes caisses là. Voilà. Alors, du coup. Par contre, ce que j'aurais pu lui mettre, c'est Turbo ATB, mais c'est pas grave. Donc, à savoir que je joue en dynamique. Hein. Putain, j'ai cru que j'allais sauter dans le vide. C'est généreux en potion, par contre.
fait. J'ai du soin avec Barrett, mais oui, je crois que j'ai du soin avec Nanaki. Tu fais bien de le dire. Hein. Non, j'ai pas de soin. Putain, bien vu. Je sais pas si je veux me retrouver tout seul avec lui, mais j'y ai pris hier, mais bon. Toi, d'ailleurs, prière n'est pas maxée à fond. Hein. Je l'ai enlevé de. J'ai dû l'enlever avec Iris, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on peut virer du coup? Ça, par contre, transfert transcendantal, c'est chaud à utiliser. Alors. On va lui mettre un soin, t'as raison. T'as raison. À qui on va piquer un soin? Après, j'ai un soin avec Barrett. Hein. Mais je sais pas si je vais me retrouver tout seul avec Nanaki à un moment. Ils sont morts. Voilà ceux qu'on appelle les qui. Ils sont vraiment grands. Oh, oh. En temps normal, je te dirais qu'il ne faut pas juger les choses par leur seule apparence. Cependant, je dois admettre que les Gui étaient aussi féroces que leur taille le suggère. C'est à cause d'eux que maman... Nanaki, voici ta toute première épreuve. Tu dois minutieusement examiner cet endroit et essayer de découvrir ce qui est arrivé ici. D'accord. Retrouve nos anciennes reliques. Ramène-les-nous et découvre la vérité sur notre ruine. Seulement alors te sera révélé le chemin de ta destinée. Placer raid au-dessus d'un objet. Et appuyer sur L2 pour apprendre dans sa gueule. Vous devez chercher des reliques. Je sais pas trop de quoi... Le vestige de nos êtres. Le vœu de notre peuple. Ouais, je sais, me demandez pas pourquoi, mais c'est pas grave. alors, du coup. Le souvenir des combats nous revient. L'heure de votre réveil approche. On est d'accord que j'ai lâché là, hein. What? Ça a l'air d'être un vulgaire os, ça. Ça a pas l'air d'être ça non plus.
Du coup, je me suis gouré au moins. D'accord, ok. On peut le maintenir. Ok, d'accord. Je pensais qu'on pouvait pas... J'ai de nouveau cherché compliqué là où... Red, lâche-la. Soyez maudits, immortels. Vous avez osé ramener nos souffrances. Let's go. Ouh, il aime pas le feu. Il aime pas le feu. Ce spectre était celui d'un qui mort au combat. Malgré leur défaite, la haine que les membres de cette tribu ont pour nous fait que leurs âmes défuntes continuent d'errer dans la grotte en quête de vengeance. Quel mauvais perdant. Ils ont beau être nos ennemis, ils ont eux aussi leurs raisons. Les dénigrer ne nous permettra pas de les comprendre. Il en va de même pour cette statuette. Si elle se trouve là, c'est également pour une bonne raison. Tâche donc de la manipuler avec respect. Ok. Les vestiges de notre passé. Apporte-nous cette statuette. Alors, le loot, le loot, le loot, le loot. Hop. Ok. Intéressant. Tu sais ce que tu dois faire, n'est-ce pas, Nanaki? Que les quatre statuettes, les vestiges de nos êtres, retrouvent leur place originelle. Intéressant. Bon, il faut que je trouve...
Ok. Allons chercher les autres. Petite queue de phénix. Ah, j'adore quand les caisses sont bien remplies comme ça. J'adore. Renforcement défensif. Intéressant. Est-ce que je suis censé aller là, hein? Ok, il y a rien. Mais on a bien fait de fouiller. Ah putain, je pensais que c'était les caisses. Off. Alors, tellement de possibilités là. Tu parais un peu louche, toi. Ça trappe. J'en étais sûr. Ça fait tellement un peu Indiana Jones, tu sais. Fut construit à l'époque. Il devait servir à enfermer les Gui ici à tout jamais. Mais alors, comment se fait-il qu'ils aient réussi à sortir et qu'ils aient attaqué notre vallée ce jour-là? J'ai bien peur que seuls les Gui connaissent les réponses à ces questions. Allons-y. Tu es ici pour en apprendre plus sur toi-même. C'est super intéressant. Allez, mon petit Danaki. Cette grotte marque la limite entre notre monde et celui des Gui. Si ces derniers avaient réussi à passer par ici, nul doute que notre chère vallée aurait été complètement ravagée. Certainement. Par chance, l'un de nos protecteurs a découvert l'immense danger que représentait ce passage. Hein ? Faisant preuve d'un grand courage, le protecteur est venu seul dans cette grotte. Tout comme il s'y attendait, de nombreux Gui s'y trouvaient, prêts à attaquer notre vallée. Il a alors vaillamment affronté ses ennemis les uns après les autres, tout en continuant de s'enfoncer dans le passage.
Dis, grand-père, s'il était aussi courageux que ça, je dois le connaître moi aussi, non ? Sa maman. À partir d'ici, vous feriez bien d'être encore plus vigilant. L'hostilité des Guy est de plus en plus grande. C'est magnifique. Musique. Merde, je vais pas faire coller la maximale, c'est pas grave. La musique elle est excellente ici. Il y a plein de... Putain, j'ai vu le coffre direct. Bazooka Dévastateur. Ouh. Ouh. Est-ce que c'est mieux que Fafnir ? Oh, par contre, il l'a pas. Tu me diras de toute façon là pour ce que j'ai. Canon pilon. Bon, l'arme est stylée, hein. En tout cas, ils ont géré, hein. Comment est-ce qu'elle s'ouvre cette porte ? C'est une bonne question. Qu'en dis-tu, Nanaki ? Il y a une connerie de flamme ou un truc comme ça ? Beyblade. Mais c'est qu'il y a plein de petits coffres.
Bon, maintenant je suis en train de me demander effectivement comment on allume tout ça. Je vois des meubles là, apparemment on peut passer par en bas. C'est tout ? Bon, après je sais qu'ils aiment pas le feu. Mais on va essayer de faire un petit méga foudre. Ouais. Pas pareil, hein. Ils aiment vraiment pas le feu. On se croirait dans God of War là, la musique, l'ambiance et tout. On avance, on avance. On a 40 minutes là. Ah oui, d'accord. Putain, j'ai pas vu qu'il y avait le truc là. Ah, j'ai plus de PM, d'accord. Je le comprends mieux.
il s'est... What? What? Oh merde. Naki, il est mort. Il est dead. Il a mouru. C'est l'heure de la riposte. Oh putain, il m'a fait un glacier là. L'autre il, est, il, l'autre, il a raise. Là. Ouais, c'est pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. On a pris cher. Du coup, j'appréhende un peu qu'on va avoir derrière. Attendez, attendez. Bon, on check, on check. Hein. Bon, on ne sait jamais. J'ai fait demi-tour, ouais, je me suis dit en voyant le coffre. Là, je les aime pas les double faces là. Bon alors attendez, du coup. Attends, je suis retourné en arrière là. Attendez, je suis allé où là? C'est bien là qu'il faut que j'aille, non?
Encore un hôtel ? Oh, oh ! Malgré la ressemblance, celui-ci est différent. Qui plus est, sa construction remonte à une date bien plus ancienne. L'hôtel que nous avons vu avant avait pour fonction d'emprisonner les dieux. En revanche, celui-ci a été bâti par les Cétras pour leur permettre de communiquer avec eux. Pour communiquer ? Mais pourquoi ? Les Guy étaient leurs ennemis, non ? Oh, oh, oh ! La distinction entre le bien et le mal, entre alliés et ennemis, change constamment en fonction des circonstances de l'époque. Bien, Nanaki, à toi de résoudre cette nouvelle énigme afin que nous puissions poursuivre notre chemin. Alors, je vais arrêter juste la VOD là. Intéressant, intéressant. On va voir les Guy là, le peuple. Ah, oh, c'est super intéressant. J'adore la musique, l'ambiance de la grotte, elle est sympa. Alors, je reviens donc sur Twitch. Hein. Laissez-moi, je vais faire une petite pause. Merci YouTube d'avoir suivi la VOD et je vous dis à très vite. Des bisous.